Championne depuis près d'un mois, Blandine a poursuivi son parcours au sein des 12 coups de midi en affrontant Nadège, Antonin et Lydie ce lundi 6 décembre 2021 sur TF1. Avec de grandes difficultés dans elle, exercice, la détentrice de elle, étoile est parvenue à se distinguer en dégotant un coup de maître. Lydie a été éliminée en première manche par Antonin, ce dernier ayant identifié elle, objet pouvant être, i à l'ogne, i l'aide, i à douille, i à vie, i à baïonnette, i parmi une ampoule, un frigo, une montre et un four électrique. Après ce duel curieux, Nadège n'a pas été plus inquiétée après avoir été deux filles par Antonin puisque, LS, est contentie de relier le roman, Isasie dans le métro, i à Paris, parmi Vienne, Budapest et Moscou. La pauvre challengeuse a sombre dans les grandes largeurs dans le coup fatal. Après avoir donné une bonne réponse, elle a ensuite enchaîné les erreurs pendant 52 secondes sans donner la moindre bonne réponse. Blandine n'a pas eu le temps de s'échauffer pour sa finale, néanmoins, elle a fait un sans faute pour ajouter 5 000 € à ses gains. Face à elle, étoile mystérieuse, la maître de midi apporte son choix sur la chanteuse Alizy, mais il lui faudra retenter sa chance pour décrocher un second astre. La partie immobilise 3,38 millions de téléspectateurs, correspondant à une part de marche à hauteur de 37,3, dont 25 est femme responsable des achats.